définition qui en est donnée est un phénomène culturel qui s'étend partout en Europe et dans le monde également, qui se caractérise par la construction de grands blocs de pierre appelés mégalithes. Ce sont des monuments funéraires ou des monuments qui servent à certaines cérémonies religieuses ou encore à l'exécution de rituels. Pour parler du mégalithisme, il est nécessaire de faire une introduction concernant le néolithique. Depuis longtemps, l'homme a élevé des pierres de forte taille. En effet, ceci n'est apparu qu'au néolithique, dont l'époque est variable suivant les lieux examinés. On voit ici la migration d'Homo sapiens partant d'Afrique il y a environ 300 000 ans pour atteindre le Moyen-Orient il y a 100 000 ans, puis l'Europe de l'Ouest et de l'Est il y a environ 40 000 ans. Partant vers l'Asie, il a traversé l'Asie pour atteindre l'Océanie, le détroit de Béring pour atteindre les Amériques il y a 17 000 ans environ. Je rappelle succinctement que le néolithique est né il y a environ 8 000 ans avant Jésus-Christ. Le néolithique se caractérise en général par l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, donc l'apparition de villages habités entourés de champs. C'est la sédentarisation de l'homme. Ceci le distingue donc des périodes antérieures où l'homme subsistait alors grâce à la chasse et à la pêche. Avec l'apparition de l'agriculture, d'autres éléments sont caractéristiques de la naissance du néolithique. C'est en effet à cette époque que l'homme invente la poterie qui évoluera au cours des siècles. Apparaît aussi la pierre polie remplaçant le taillage de la pierre. Au Proche-Orient, le néolithique débute vers moins 8500 ans. En Grèce, vers moins 6500. Il prend fin avec la métallurgie, du bronze, du cuivre, puis du fer. Vers moins 2000 en Europe, c'est la protohistoire. L'homme continue de chasser et de ramasser des baies sauvages pour subsister. Ici, la représentation d'un village néolithique permet de voir une femme qui fait de la poterie, des champs, des maisons, un village, bref. Ici, une représentation de Çatal Uyuk qui est en Turquie et qui deviendra plus tard la capitale des Hittites. On voit ce village sans rue où on accède aux maisons par les toits. Concernant la protohistoire, elle se caractérise par l'absence d'écrit. L'histoire commençant avec l'écriture. Mais d'autres peuples contemporains ont pu laisser des écrits, l'écriture n'étant apparue à des dates variables suivant les endroits. L'écriture serait apparue au Moyen-Orient, en Mésopotamie, vers moins 3200 avant Jésus-Christ, bien sûr. Mais les Gaulois ne connaissaient pas l'écriture avant la conquête romaine. On considère qu'en France, le néolithique est né vers moins 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'âge de bronze qui lui succédera, apparaissant vers moins 2000, avec la fabrication, comme on voit ici, de bijoux, principalement d'objets décoratifs et
d'armes également. À l'âge du fer, des populations écrivent en grec ou en romain. D'autres n'écrivent pas, tels que les Celtes, les Gaulois, les Ligures, les Ibères. On considère que l'âge de fer se termine vers -52 et lui fait suite l'Antiquité. Ceci jusqu'à la fin du 5e siècle, avec le Moyen Âge, qui est considéré comme commençant avec le baptême de Clovis. Quelques images viennent illustrer les objets utilisés au néolithique. Ici, des poteries avec leurs dessins caractéristiques. Ici, une meule et son broyeur, objet visible au Sahara. Les objets suivants ont été glanés également par moi-même au Sahara. Ici, une hache néolithique, puis des pointes de flèches, enfin des morceaux de tessons de poterie. Situons à nouveau le néolithique. On se souvient qu'il succède au paléolithique, qui a été riche en production pariétale, peinture, sculpture, dans les profondeurs des cavernes. Pour mémoire, citons les plus marquants, avec la grotte Chauvet, datant de -32 000, puis Pêche-perle de -25 000, puis Lascaux de -17 000, la chapelle Sixtine de la préhistoire, et Altamira, qui n'est pas la moindre, située en Espagne, datant de -15 000 avant Jésus-Christ. Le néolithique n'a pas laissé de traces significatives en Europe. Les peintures néolithiques sont surtout situées dans les abris sous roche et non dans les cavernes, à la différence du paléolithique. On en trouve principalement en Afrique, en Asie et en Amérique. Concernant l'Afrique, que je connais mieux, la Namibie et surtout les massifs du Hoggar, du Tassili et de la Kakous sont bien préservés par la sécheresse saharienne, où on trouve représentés des animaux parfois domestiqués ou animaux objets de chasse. Des gravures existent également, comme celle-ci qui est au Maroc et celle-ci qui est au Tassili, que je trouve spécialement émouvante, avec cette vache qui pleure. Mais pendant ce temps-là, ou peu après, des civilisations avaient largement progressé, en Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus ou en Égypte. Dans ces contrées, l'histoire était en marche, l'écriture était apparue. En Égypte, elle commence 3000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie également.
Ici, nous voyons la bibliothèque d'Ebla, qui est un site syrien où on a découvert toute une bibliothèque. Les tablettes gravées de pictogrammes ont été cuites par un incendie et préservées dans le sable. Cette bibliothèque date de moins 1800 avant le Christ. Parallèlement, le mégalithisme apparaissait à différents endroits du globe avec des particularités régionales. C'est ainsi que, avant d'aborder cette période en Europe, faisons un rapide tour du monde pour voir ce qui s'est fait en matière de mégalithes. Sur cette carte floue, mais c'est la seule que j'ai pu trouver sur Internet, on observe différents endroits où les mégalithes ont été élevés. C'est ainsi que la plus grosse pierre jamais taillée par l'homme, l'obélisque inachevé d'Aswan, est donnée pour peser 1200 tonnes. Mais il n'est jamais sorti de sa carrière. Il n'est pas détaché du socle rocheux. C'est le plus grand de tous les obélisques connus à ce jour, long de près de 42 mètres. Il est taillé sur trois faces, mais pas du tout poli ni gravé. Cette pierre incroyable est de plus de deux fois la taille d'un obélisque normal. Apparemment abandonné, l'obélisque présente des fractures naturelles apparues dans un autre obélisque qui mérite d'être signalé est celui du Latran. Cet obélisque placé sur la place Saint-Jean de Latran est bien sûr égyptien. Il date du 15e siècle avant notre ère. Il est situé à Rome. Il fut érigé à l'origine à l'est du temple d'Amon à Karnak par le pharaon Thoutmôsis III. C'est le plus grand de tous les obélisques égyptiens connus. Par ordre décroissant de taille, on peut citer la pierre de Baalbek, dite Hadjar el-Koublé, la pierre du sud, qui est donnée pour mesurer 21 mètres de long. Elle pèserait environ 1000 tonnes. Elle n'est pas sortie de sa carrière non plus, elle est restée plantée en oblique au lieu de son extraction. Toujours à Baalbek, on peut observer ici sur les bases du temple de Jupiter des pierres de belle taille. Ici, ce ne sont plus des pierres, mais des sculptures de pierres monumentales situées à Thèbes. Elles sont les deux colosses de Memnon qui étaient à l'entrée du temple d'Amenophis III, le père d'Akhénaton, le grand-père de Toutankhamon, autrement dit. Restons en Afrique, mais plus au sud, en Éthiopie. Plus tardifs, mais plus mystérieux, sont les obélisques situés à Aksum. Le plus grand d'entre eux mesurait 33 mètres avant de se briser en trois, vraisemblablement lors de son élévation. Ils marquaient l'emplacement des tombeaux des rois, ils sont sculptés sur trois ou quatre de leurs faces. La ville d'Aksum a partiellement prospéré entre le 1er et le 6e siècle. On suppose que ces obélisques datent de cette époque. Un mot doit être dit, puisque nous sommes en Éthiopie, des églises monolithes creusées au XIIIe siècle pour avoir donné aux chrétiens orthodoxes d'Éthiopie leur Jérusalem. La plus belle et la plus connue est celle de Saint-Georges. Dans le nord de l'Éthiopie, au Tigré ou en territoire Amhara, il y a des centaines d'églises. Elles sont monolithes, creusées dans les falaises,
avec parfois des fenêtres creusées dans les façades. Elles sont souvent très éloignées des villages et des routes, leur chemin d'accès étant parfois scabreux. Les moines vivent en ermite. La suivante, comme on le voit ici dans la montagne, on a mis 3 heures avant de la trouver, après s'être renseigné. On voit bien ici le caractère creusé dans la roche de cette église. Et celle-ci, on imagine les difficultés d'accès. Puisque nous sommes dans les églises gravées, sculptées dans la falaise, la Cappadoce en est également bien riche. On voit également, en dehors des églises, des habitats troglodytes qui sont également creusés de façon très profonde. La transition avec la Turquie étant toute trouvée, on va voir que ce pays abrite de nombreuses structures mégalithiques. La Turquie est en effet un carrefour de civilisations et les Grecs, les Romains, les Sassanides, les Byzantins, les Arabes et les Mongols, entre autres, ont pu y laisser des traces. Pour commencer, le Nebrud Dag. Il s'agit d'une montagne de l'Antique Russe qui culmine à 2200 mètres d'altitude, située dans la partie méridionale de l'Anatolie, près de la frontière syrienne. C'est au sommet de cette montagne, sur un immense tumulus de 50 mètres de hauteur, qu'ont été découverts les vestiges d'ensembles culturels spectaculaires datant du royaume de Commagène au 1er siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, il existait, dit-on, 5 statues de 9 mètres de hauteur représentant les principaux dieux arméniens ainsi que les fondateurs Mithridate et Antiochos, qui a construit ce mausolée. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'ensemble empire d'Alexandre le Grand est partagé entre ses généraux qui établissent de la Grèce à l'Asie des royaumes indépendants sur lesquels il règne en maître absolu. C'est ainsi qu'au IVe siècle, la Commagène devient une province du royaume séleucide. Mais en 162, avant Jésus-Christ, le gouverneur grec se déclare indépendant et constitue le royaume de Commagène. C'est Mithridate Ier qui constitue ce royaume et se fait proclamer roi, et son fils Antiochus, qui lui succède en 62 avant Jésus-Christ et qui décide d'établir son culte personnel ainsi que celui des dieux au sommet de la montagne du Nemrud Dag. Pour le profane, ces blocs de pierre sculptés ressembleraient davantage
à ceux d'une cité mycénienne ou aztèque qu'à des dolmens et menhirs. Pourtant, Debekli Tepe a vu le jour il y a 12 000 ans. Le chiffre impressionne, mais il est encore plus extraordinaire lorsqu'on le compare à des repères historiques et préhistoriques plus familiers. 12 000 ans, c'est 5 500 ans avant le début des alignements de Karnak, plus de 6 500 ans avant les premières cités sumériennes, 7 000 ans avant Stonehenge, 7 500 ans avant la pyramide de Khéops, c'est même 1 000 ans avant Jéricho. Ce site n'a été exploré que vers 1993 et est inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 2018. Ce site date de l'époque des chasseurs-cueilleurs, avant le néolithique donc. Ce serait par conséquent une des plus anciennes constructions humaines. Comme pour tout ce qui est préhistorique, les suppositions vont bon train et les certitudes sont rares. Les animaux représentés seraient des symboles astronomiques pour certains. Pour d'autres, cette cité aurait été l'œuvre d'extraterrestres. Je vous laisse faire votre jugement par vous-même. Pour la première fois, les archéologues pensent que seule l'organisation nécessaire à la construction d'un tel édifice a pu entraîner le développement de l'agriculture et de la sédentarisation de l'homme. Une révolution. Changement radical de lieu. Nous sommes ici, dans le nord Laos, au niveau de la plaine des Jars, qui est également un site inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Encore, la communauté scientifique ne peut encore donner que des explications conjecturelles quant à la datation de ces jarres de pierre. Sur une période allant de 500 avant Jésus-Christ à 800 après. Et il existe plusieurs théories sur leur destination, urne funéraire ou stockage de nourriture. Les légendes locales sont nombreuses et les habitants de la région continuent à en inventer à l'usage des touristes. Des navigateurs avec leurs pirogues à balancier venant du Pacifique et sans doute des îles Marshall sont arrivés sur l'île de Pâques. Ils avaient colonisé bien d'autres îles et l'île de Pâques a été colonisée par ces Mélanésiens vers le 5e siècle. Ces habitants sur cette île isolée du monde, ont vécu en autarcie durant des centaines d'années, se constituant un patrimoine culturel unique, sans influence extérieure. C'est un Hollandais qui découvrira cette île en 1722, le jour de Pâques. Vers les années 1300, il existait environ 6 000 habitants sur cette île. Après l'annexion par le Chili et la déportation pour l'esclavage de la plupart des autochtones, il n'en restera que 111
en 1877. De nombreux archéologues, de nombreux chercheurs de tout profil et de toute nationalité essayent de comprendre le déclin de la civilisation pascouane. Deux hypothèses s'affrontent, soit une guerre intestine entre les populations locales qui auraient fini par ruiner leur civilisation, soit une sécheresse qui aurait fini par éliminer la végétation, les animaux, etc. Au Mexique, je ne m'attarderai pas sur cet immense dieu Tlaloc, qui est le dieu de la pluie pour les Bayas, mais je vais m'intéresser plutôt à une civilisation qui a précédé les Mayas, la civilisation Olmec, également au Mexique, près de la côte Caraïbe. La civilisation Olmec est la plus ancienne et la plus mystérieuse civilisation du Mexique. De cette civilisation, il ne reste presque rien, hormis des œuvres d'art qui puissent nous renseigner sur la nature et l'origine de leur civilisation. La seule certitude est que ce peuple est apparu en Amérique centrale vers 1500 avant notre ère, alors qu'il y avait déjà un stade de développement très avancé. On a retrouvé principalement des représentations anthropomorphes qui appartiennent à deux types. L'un est négroïde, l'autre aux traits plus fins. Souvent, le dieu jaguar est représenté. L'empire Inca n'a pas été avare en construction mégalithique. La plus spectaculaire est le site de Sacsayhuaman. Construite par l'Inca Pachacutec au milieu du XVe siècle, cette forteresse Inca est un centre dédié au soleil. Elle est située à 3700 mètres d'altitude. Trois remparts aux murs parallèles constitués de blocs monolithes parfaitement assemblés et encastrés entre eux. La construction de cette forteresse reste un mystère, notamment celui du transport des monolithes. Aucune hypothèse scientifique n'est réellement convaincante. Les murs étaient faits d'énormes pierres, si bien encastrées les unes dans les autres, qu'il serait impossible de glisser une feuille de papier entre elles. Pas la peine d'utiliser du ciment, les pierres étaient si bien taillées que c'est leur forme si particulière qui les faisait tenir entre elles. Grâce à cette précision, les murs ont pu rester intacts durant les tremblements de terre dévastateurs qui ont fait trembler Cusco. Mais s'ils ont pu résister aux tremblements de terre, les murs n'ont pas tellement résisté aux conquistadors espagnols qui ont pris toutes les pierres une à une pour leur propre construction à Cusco. Nous sommes dans les Andes, restons-y. D'autres sites méritent en effet d'être cités. Le plus connu d'entre eux est celui de Tiahuanaco. La civilisation de Tiahuanaco a pris naissance sur la rive sud du lac Titicaca à plus de 3800 mètres d'altitude. Cette civilisation s'étendrait du Xe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIIe siècle après. En dehors de cette vaste enceinte close, les deux plus célèbres monuments sont la pyramide à degrés et la fameuse porte du soleil, considérée par certaines recherches comme un repère astronomique. Il existe également des monolithes que certains archéologues rapprochent des Moaïs de l'île de Pâques. Également situé en Bolivie,
mais je n'insisterai pas sur ce site, dont la célébrité est due notamment à l'immense roche plate qui domine le site. Ces importants lieux de culte et les sculptures rupestres qui y furent creusées en font un lieu unique qui est inscrit au patrimoine de l'humanité. Je ne ferai également que citer le site de C8, qui est un site archéologique précolombien, en partie détruit par les Espagnols. Ce monolithe est une curiosité, car il comporte environ 200 dessins soigneusement gravés de reptiles, félins et crustacés. Voilà déjà 30 minutes de passé, et du mégalithisme en Bretagne, on n'en a pas entendu parler. Quelques images pour montrer simplement, pour l'instant, le tumulus de Bougon, ou plutôt les tumulus de Bougon, qui représentent des aspects tout à fait caractéristiques du mégalithisme sous nos contrées. Ici, on voit les tentatives de déplacement d'un énorme bloc, déplacement évidemment récent, qui s'est soldé par de grosses difficultés. Cet ensemble du néolithique moyen appartient au mégalithisme le plus ancien du monde. Les caractéristiques des dolmens les rattachent au style angoumoisin à chambre funéraire carrée. Ce type de dolmen a été édifié tout au long du néolithique moyen. Ici, ils ont été bâtis au cours du 5e millénaire. Les chambres funéraires des dolmens sont parfois structurées par de grandes pierres, parfois entièrement réalisées en pierre sèche. Lorsqu'on a employé des mégalithes, ceux-ci constituent une plus ou moins grande partie des parois et servant de support à d'autres mégalithes utilisés en couverture. Après cette parenthèse poitevine, nous allons revenir au mégalithisme développé dans toute l'Europe. Le mégalithisme en Méditerranée s'avère un phénomène important pour comprendre l'appropriation du territoire par les sociétés en marche vers l'histoire. Les dolmens sont trop souvent associés à l'océan Atlantique, particulièrement à la Bretagne, mais ils fleurissent sur le pourtour et les îles de la Méditerranée. Dès 4000 ans avant Jésus-Christ, ils furent construits pour abriter les morts des populations néolithiques, les premiers paysans qui occupèrent la France, l'Espagne et l'Italie. Certaines populations utilisèrent aussi l'art de manier les grandes pierres brutes pour construire d'autres monuments. Dans l'île de Malte, où des temples grandioses furent érigés, aux Baléares, où des sanctuaires furent édifiés avec des monolithes nantis de curieuses tables de pierre. Les monuments maltais sont datés de moins 4100 à moins 2500. Ils précèdent donc de 1 à 2 millénaires les expériences mycéniennes en matière de construction dite cyclopéenne. Le mégalithisme maltais est antérieur de plus de 2200 ans des alignements de Karnak, de 2400 ans au début de Stonehenge ou encore de 2600 ans antérieur aux Grandes Pyramides.
la période des temples mégalithiques maltais, cette petite île méditerranéenne, nous plonge donc aux racines mêmes du mégalithisme, la plus ancienne forme d'architecture monumentale de l'humanité. Pour l'archéologie maltaise, ce n'est pas la maîtrise de la pierre ou des métaux qui rythme la préhistoire, mais l'évolution des temples mégalithiques. Avec l'âge du bronze, l'insécurité s'installe en Méditerranée. Il faut à présent construire des fortifications pour se protéger. Une île en particulier va se couvrir de tours et de forteresses, la Sardaigne. La Sardaigne, 100 fois plus grande que Malte, est la deuxième île de Méditerranée en termes de superficie, et son identité est très marquée par les quelques 7000 nourrags qui parsèment encore ses terres. C'est à l'âge du bronze, de 1900 à 750 avant Jésus-Christ, que cette culture originale est apparue et s'est développée en Sardaigne. À première vue, un nourrag ressemble à une tour médiévale de taille raisonnable, une tour ronde qui fait immédiatement penser à un système défensif. Mais il n'existe pas d'unanimité scientifique concernant la nature et l'usage des nourrags, car on en trouve de dimensions variables et situées parfois en des points de surveillance stratégiques. Un des sites les plus impressionnants de Sardaigne est celui de cette cité nuragique qui se nomme Sous-Nuraxi. Il s'agit principalement d'une forteresse édifiée entre le XIIIe et le VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est constituée par une tour centrale d'une hauteur de 18 mètres aux salles voûtées et d'un complexe quadrilobé avec tour, cour et une épaisse muraille entourant le quadrilatère. À la fin du VIIe siècle, les amples bastions défensifs qui reliaient les tours furent renforcés. À l'extérieur des murs d'enceinte s'étendait un village composé d'une cinquantaine de cabanes, édifiées à plan circulaire, au moyen de gros murs en pierre sèche et aux toits généralement recouverts de branchages. Pourquoi ce documentaire sur le mégalithisme? Eh bien, l'idée m'en est venue à la suite de ces dernières vacances, l'été dernier, à Minorque, où le mégalithisme est extrêmement développé et très intéressant. Minorque. L'origine de son peuplement pose quelques problèmes, mais on y connaît un usage des grottes très ancien et l'apparition d'une culture de l'âge du bronze, aujourd'hui appelée culture talayotique. Elle partage bien des points communs avec la culture nouragique de la Sardaigne. Minorque est un paradis archéologique, avec plus de 1500 sites préhistoriques, soit 2 au kilomètre carré. 32 d'entre eux postulent pour appartenir à la liste du patrimoine de l'UNESCO. On voit ici, en haut dans la falaise, des grottes préhistoriques. La culture talayotique ne manque pas de particularités, parmi lesquelles des éléments architecturaux comme la tola et la naveta que l'on verra plus tard. Mais avant de nous intéresser à ces structures, notons qu'il existe pas loin de 300 talayotes sur Minorque, comme ceux que l'on peut voir maintenant. Le talayote désigne une sorte de tour de guet. C'est l'impression que la construction, généralement ronde mais parfois carrée,
en forme de cône tronqué, donne au premier regard quand elle émerge des oliviers. Néanmoins, on y trouve souvent aménagée une petite chambre dont l'usage n'est pas parfaitement défini, ce qui laisse un doute sur la ou les fonctions de cet édifice. Le talayot, comme le nouraguet en Sardaigne, était construit sans mortier, simplement en assemblant des pierres sèches, plus ou moins imposantes, cyclopéennes, les unes sur les autres, avec un pilier central pour soutenir une voûte. La tour conique elle-même pouvait aussi se multiplier, et certains sites en comportent plusieurs. Un deuxième élément mégalithique original complète le village de Minorque de l'âge du bronze. C'est la navetta, qui ressemble à un talayot, mais de forme allongée. Les navettas étaient construites et utilisées comme des tombes collectives. Dans celles-ci, on a découvert une centaine de squelettes. Le plan est simple. Une ouverture, surmontée d'un linteau, donne accès à un couloir qui aboutit à une chambre ossuaire au mur arrondi en forme d'abside. Cette navetta est le plus grand complexe funéraire que l'on ait trouvé en Europe. Il était utilisé entre moins 1200 et moins 800 avant Jésus-Christ. L'atola est le troisième élément architectural caractéristique de la culture talayotique de Minorque. Cet élément conserve une aura mystérieuse. Fondamentalement, il s'agit d'une table de pierre faite de l'érection d'un mégalithe et du placement d'un second mégalithe à son sommet formant un T ou une table. Il culmine, dans certains cas, à près de 4 mètres de hauteur. Pour des pierres pouvant peser jusqu'à 25 tonnes, nous retrouvons la thématique des géants. Une caractéristique à cette tola de Dalte est qu'un montant s'est affaissé sous le chapiteau. La tola se rencontre généralement au centre d'un anneau de pierre dressé, ce qui limite un enclos. On a parfois des traces de feu dans les espaces clos. La fonction de sanctuaire de la structure tola n'est pas complètement confirmée. Y célébrait-on des cultes de fertilité, comme dans beaucoup d'autres cultures contemporaines? Nous sommes ici dans la cour de la tola de Toralba, où l'on voit au deuxième plan le talayot, ou un talayot. On retrouve donc, comme ici, ce mur de pierre et l'atola central qui est ici à gauche. L'atola est toujours dirigée vers le sud et dans cette aire circulaire délimitée par des dalles verticales.
voilà donc ici à Torre del Galmes. C'est le plus grand village historique de Minorque. Il est construit en situation élevée, permettant la surveillance du territoire et de toute la côte sud. Ce village a donc été construit vers 1400 avant Jésus-Christ. Il a été habité plus tard jusqu'à la période romane. Ce site comporte trois talayotes, qui sont donc ces tours de guet en pierre, l'enceinte circulaire entourant la tola est partiellement effondrée. Les vestiges de nombreuses maisons circulaires avec cour centrale sont présentes. Un des bâtiments circulaires a une salle hypostyle, dont le toit est supporté par des piliers, avec de nombreuses colonnes soutenant un toit en pierre, et il existe des preuves d'un système de stockage de l'eau dans le village. Oublions les îles pour passer sur le continent. On voit sur cette carte, très grossière, un nombre impressionnant de sites archéologiques témoignant de l'importance du mégalithisme dans l'Europe celtique. Je serai un peu plus rapide car tout le monde connaît les dolmens, menhirs et autres monuments mégalithiques de l'Europe occidentale. Ici, nous voyons le menhir de Locmariaker qui est couché et cassé en trois morceaux. Les menhirs sont de longues pierres dressées de hauteur variable allant de quelques centimètres à plus de 20 mètres. Ces pierres sont enfoncées dans le sol de plusieurs dizaines de centimètres et calées par des pierres. La fonction des menhirs n'est pas non plus connue. Au cours des siècles, il a été suggéré qu'ils avaient pu être utilisés par des druides pour des sacrifices humains ou avoir servi de bornes territoriales. Les menhirs peuvent être isolés ou regroupés en enceintes ou en alignement. Les alignements les plus extraordinaires sont ceux de la région de Karnak qui comprend plus de 3000 menhirs. On retrouve des mégalithes sur une vaste zone côtière regroupant l'Espagne, le Portugal, la France, l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre, et jusque dans les pays scandinaves. Mais c'est indubitablement la Bretagne qui détient le record du nombre de mégalithes sur son sol. C'est d'ailleurs dans cette région que l'on trouve les mégalithes les plus anciens. L'un des grands mystères des mégalithes réside effectivement dans leur fabrication. En effet, comment des hommes pourvus à l'époque de simples outils de silex ont pu détacher du roc, les transporter sur des distances parfois considérables, des pierres de plusieurs tonnes, pour ensuite les redresser à la verticale. Les dolmens sont des monuments de pierre formés de dalles horizontales soutenues par d'autres en position verticale. Les dalles de couverture méritent bien le terme de mégalithes de par leur poids pouvant atteindre plusieurs dizaines de tonnes. Ce sont des monuments funéraires, des sépultures collectives de tout un groupe humain sur plusieurs générations. Leur architecture est variable.
Le dolmen peut être formé de une ou plusieurs chambres de forme plus ou moins circulaire. Le dolmen peut être formé plus simplement d'un couloir que l'on qualifie d'allée couverte. Le dolmen est la structure interne du monument d'origine. Il était recouvert à l'origine de pierres sèches et de pierres pour former une petite colline, un tumulus. Avec le temps, la terre a été ravinée, les pierres sèches ont été réutilisées. Le tumulus, comme on vient de le voir, est une colline artificielle, allongée ou conique, comme on en voit à Bougon, de grande dimension. Il contient un ou plusieurs dolmens consolidés par une couverture de pierres sèches. Il s'agit également d'un monument funéraire. Lors de son érection, le tumulus de Gavrinis se situait sur le rivage. Aujourd'hui, il trône sur la petite île du même nom. Un cairn ou tumulus est un antique monument funéraire monumental couvert de pierres sèches. Celui de Gavrinis, en Bretagne, mesure 50 mètres de diamètre pour 6 mètres de haut. Il a été édifié voilà presque 6000 ans, donc 1000 ans avant la première pyramide, pour protéger la tombe d'un personnage de haut rang. Celle-ci est constituée d'une chambre mortuaire et d'un couloir long de 14 mètres, composé de pierres dressées et recouvertes par une dalle de 17 tonnes, le tout formant un dolmen. Ce qui rend unique le tumulus de Gavrinis, ce sont les nombreuses gravures qui ornent les pierres dressées. Certains parlent de chapelle Sixtine, encore une, du néolithique. Les interprétations de ces gravures vont bon train et se multiplient. On sait que la grande dalle de 17 tonnes couvrant le dolmen est un fragment brisé d'un menhir géant de 14 mètres qui se dressait à Locmariéker. On le sait car un autre fragment de ce menhir a été localisé dans le dolmen appelé la table des marchands. Les cromlechs. Les cromlechs ou cercles de pierre que l'on appelle encore enceintes sont des groupes de menhirs arrangés en cercle. Parfois, un menhir est placé au centre. Ces cercles de pierre peuvent être isolés, jumelés à un autre cercle de pierre ou associés à un alignement de menhirs. Le plus connu de tous les cromlechs est bien évidemment le cromlech de Stonehenge. Stonehenge, dont les pierres géantes se dressent fièrement sur une colline de Salisbury, a toujours été un monument empreint de mystère. De nombreuses questions se posent. Pourquoi ces pierres ont-elles été posées à cet endroit? D'après les chercheurs, les pierres qui constituent le monument proviennent d'une localité qui se trouve à 32 km de Stonehenge. Quant aux sarsens, les plus grosses pierres bleues, elles diffèrent des autres pierres par leur aspect. Selon les scientifiques, ces deux blocs monumentaux indiquent le sens du lever du soleil au solstice d'été et du coucher du soleil durant le solstice d'hiver.
En se référant sur les techniques de datation du carbone, ces pierres auraient été érigées entre 3100 et 1600 avant notre ère. À peu de distance de Stonehenge, on voit ici le plus grand des cromlechs que l'on peut observer en Angleterre. L'époque de construction de ce type de mégalithes est à placer dans la préhistoire, avec des dates approximatives de 3500 à 2000 avant Jésus-Christ. Les cromlechs sont beaucoup plus rares que les autres monuments mégalithiques que sont les dolmens, les menhirs et les allées couvertes. On en trouve cependant notamment en Bretagne et surtout en Angleterre, en Irlande et dans les Pyrénées par exemple, où on a pu les dater grâce aux objets néolithiques, surtout des poteries, que l'on a retrouvé dans le sol. Le rôle qu'ont pu jouer ces cromlechs pour les hommes préhistoriques reste bien mystérieux. Comme vous pouvez le deviner, ce petit bonhomme juché sur une pierre plate en Bretagne est lui-même breton et il s'intéressera bien plus tard au mégalithisme. Ce film est malheureusement extrêmement incomplet et je voudrais néanmoins le terminer par une image de Mahabalipuram qui est en Inde, qui correspond à des temples sculptés qui datent du Xe siècle et on pourrait en citer de nombreux dans tous les pays du monde.